Malgré les dispositions prises par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour lutter contre la fraude aux examens du brevet de premier cycle, BEPC, qui a débuté lundi 12 juin 2023, des candidats ne cessent d'utiliser d'autres moyens pour contourner le dispositif. C'est le cas au centre du lycée moderne Kofi Gado de Thiébissou, où nous apprenons de sources concordantes que le candidat aux initiales D.I.K a été pris en flagrant délit de fraude mardi 13 juin 2023 en salle 19 avec des corrections de sujet. Lors de la deuxième journée du BEPC, pendant l'épreuve d'orthographe, le surveillant a surpris l'élève avec un téléphone portable comportant le texte de la dictée et ses questions déjà traitées envoyées sur WhatsApp. Ce dernier a camouflé ses téléphones dans ses sandales, explique-t-on. Notons que depuis des années les téléphones sont interdits dans les centres d'examen. Après sa déposition, le candidat a été expulsé et ses portables confisqués pour nécessité d'enquête.